Et salut tout le monde! Alors, la dernière fois, je me suis fait rouler dessus et nous allons continuer notre petite guerre contre eux d'ailleurs. Et puis il me semble qu'ils ont plus grand-chose, dis donc. Ils ont perdu je ne sais combien de villes, ils sont déjà morts quasiment là. Il ne leur reste plus qu'une ville. D'accord, mais par contre, c'est la Vlandie maintenant. La Vlandie qui, eux, reste quand même très puissant. Est-ce qu'on se dirige par là-bas ou est-ce qu'on continue avec ces misérables? Je ne sais pas trop. En tout cas, eux, ils s'allongent quand même pas mal sur l'est. Et ils ont perdu un petit peu sur l'ouest. De toute façon, quoi qu'il en soit, moi, il va falloir que je recrute absolument des troupes. Il faut que je fasse attention quand même parce qu'il me reste plus beaucoup d'argent. Alors si je peux me faire une ou deux missions quand même assez utiles. C'était quoi ça? Virer à l'auberge? Bon, entraîner des troupes, ça m'intéresse pas. Virer à l'auberge, je sais pas ce que c'est. Ah, j'aurais dû regarder les troupes s'ils en avaient. Mais l'argent, je me le fais quand même beaucoup plus facilement en faisant la guerre. Faut bien l'avouer. Des archers, j'en avais combien déjà? 14, 24. Ici, voilà, j'en ai bien assez. Okay, donc il me faut quand même des archers, on va aller là-bas. Malheureusement, il n'y a pas d'arène. Archers, puis commerce, j'avais plus rien. Céréales, j'en ai assez. Ok, on continue. Mais là, il va falloir que j'arrête de. Faut plus que je perde quand même. Bon, je prends toutes les troupes que je peux prendre au deuxième grade. En 417. Que ce soit des archers ou pas, parce que j'ai quand même beaucoup de paysans là. J'en ai combien? J'en ai 31 que je pourrais mettre en archer de toute façon par la suite. S'ils ne meurent pas. Et je pense qu'on va aller voir les. Du côté ouest. Ah, puis des chevaux, il m'en faut des chevaux. Enfin, des chevaux, des. La cavalerie, là. J'en ai 10. Ah, tiens, il y a une arène là-bas. On va faire l'arène vite fait. S'il y a quelque chose d'intéressant à gagner, c'est tant mieux. On va déjà regarder les troupes. On va prendre tout ça. 115, ça descend. J'ai combien de jours? J'ai 23 jours, ça va. C'est suffisant. Et on va rejoindre le tournoi. Et c'est quoi? C'est encore une masse? Non, ça un destrier. Vitesse 60, 971. Ça peut être pas mal. Et cette fois-ci, il faut pas que je perde. J'ai ma vie à fond en tout cas. C'est bon. L'autre il va bientôt tomber. C'est bon. Un contre un, je préfère. La gueule en sang. Ok. Allez, ça c'est rapide. J'ai gagné un destrier, c'est bien. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours de la. Oula, attends. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. Mais là, c'est quand même acquis, hein. Peu importe qui c'est. En plus, un de mes alliés, il est moins bien équipé que moi. Très résistant. Ok, merci, au revoir. J'ai gagné un peu de sous. Il saute de ma gueule.
J'ai plus de thunes. Contrat de mercenaires plus 100. D'accord. Bon, c'est pas ça que je voulais, c'était ça. Non, vitesse moins bien. Il me faut de la vitesse quand même, j'en ai vraiment besoin. On va te donner ça. Par contre, là, il me faut vraiment de l'argent. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça, 3 jours, c'est foutu, là. 3-4 jours, hein. Là, je vais arrêter avec les troupes, évidemment, il y en a plein. Évidemment, non, ils n'ont pas de mission. Mon Dieu, il me faut des ennemis, là. Absolument. Alors là, j'ai 2 jours. Hein. Même des pillards, je m'en fous. Il me faut quelque chose, là, bah tiens. Et puis évidemment, je suis pas assez rapide. Oh. Chope-le! J'ai pas grand-chose à gagner, mais bon. Ouais, mais... Aïe, aïe, aïe. Je suis un petit peu dans le caca, là. Hein. En fait, je crois que je risque de la désertion. Surtout ce que je risque. Je fais n'importe quoi. J'ai un mort. Allez, Piper, ça m'énerve. Bon, c'est pas grave. Ouais, t'es ma prisonnière. Les prisonniers, ça fait un peu de sous. Ça, j'en veux pas. Ça, je montre rien du tout pour le moment. Ah, bah tiens. Non, de toute façon, faut que je vende tout là. Absolument. Ouais, bah c'est bien. Je me suis fait un petit peu d'argent. C'est tant mieux. Je vais vendre déjà là. Je crois qu'ils ont quoi, 1000 pièces d'or ici? Qu'est-ce que je pourrais vendre pour 1000 pièces? On a un peu de ça, on a ça. 206. Là, ça ira très bien. Merci. Ça va me permettre de tenir encore un petit peu, mais bon, il faut que je fasse gaffe. J'aurais peut-être pas dû faire demi-tour, est-ce que je les tue? Allez, vas-y. C'est ici que je viens de vendre? Non. C'est du racket, mais ça, je crois que c'est pas très bon. C'est pas grave, là, j'ai vraiment besoin de sous. Ce sont des ennemis. Ah ouais, de moins 12 quand même, ouais, c'est ça que j'aime pas. Bon, c'est pas grave, là, c'est parti. C'est fait, on attaque. On a besoin de sous, c'est comme ça, c'est la guerre. Ils sont là. Attends. Ils débarquent. Vous restez là. Les archers, vous restez là. Vous pouvez avancer avec ça. Et vous aussi. Tout le monde avec le bouclier. Ah,
l'intérieur. Ah! Mais non! En plus, je suis mort. Enfin, je suis tombé. Évidemment. Deux archers, un cavalier lourd. Cinq recrues, ça c'est pas grave. Ok, c'est pas grave. On prend. Allez, vas-y. On va faire comme ça. Il reste, on va laisser. Est-ce que c'est intéressant ça? Oui, ça c'est intéressant. On a quand même pas mal de choses intéressantes ici. Ok. Et c'est tout? D'accord. Allez, on a quoi? 7 blessés. Par contre, ça, faut que j'arrête. Hein. Ah, plus 500, ça, c'est bien. J'ai gagné un niveau. Enfin, pas un niveau. Si, j'ai gagné un niveau aussi. Donc, la roublardise. Les unités de bandits dans votre groupe gagnent de l'expérience 20% plus vite et raids sont 5% plus rapides. Les bandits sont 20% plus faciles à convaincre de partir en paix avec lors des négociations. Les prisonniers sont 20% moins susceptibles de s'échapper des villes. On va plutôt prendre ça. Et puis je vais monter la médecine. Non. La médecine c'est quand même très utile, mais j'ai plutôt monté ça, je pense, à tactique. Ça va m'être assez utile après. Un chef de bande a besoin d'armes, matériaux bruts, non ça j'ai déjà vu. Par contre, alors là je vais faire ce rendre donjon et puis je vais donner directement. Parce que si je fais ça, celle-là elle vaut rien en fait. Et là je peux pas les garder, mais bon. Ça je perds quoi, un par jour, deux par jour, moins 5. D'accord. Par contre, je peux vendre pour 4846, ça c'est bien. Très utile. Allez, je te prends deux archers. Et on retourne à la guerre. Ah, quoique. Si, sur 51%, juste, c'est bien. Très très bien. Et non, l'autre qui a gagné quelque chose, ah non, c'est moi. Plus un point de renommée et d'influence pour chaque tâche résolue. Ouais. Chaque fois que vous battez un groupe du seigneur ennemi, vous gagnez plus 1 point de relation auprès d'un notable aléatoire de votre faction. Ça, ça peut être sympa. L'influence gagnée lors des batailles est augmentée de 30%. Ça, c'est sympa aussi. Chaque fois que vous battez un groupe de seigneur ennemi, vous gagnez plus 1 de relation auprès d'un seigneur aléatoire de votre faction. Alors. Je serai plus pour un notable. Quand même. Oh. 15 pillards, on va les laisser. Il me faut des ennemis. Non, 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 non. Allez, vas-y, on y va. J'en ai perdu, je reprends. Ah, pour le moment, c'est bon. Ça c'est dit villageois. J'ai envie de voir si je peux gagner un château. Enfin, pas me faire un château, mais. Défense hors 128. Lui, il en a 81, ça peut être intéressant. Si j'arrive à le choper. Ça me paraît compliqué, il est rapide. Non, 72, on abandonne. J'ai pas envie de me faire avoir comme la dernière fois. Ils me suivent, hein. Ouais.
les deux me suivent. Il y en a un qui a abandonné, c'est bon. Ah, c'est ça, fais encore un petit à-coup là. Fais encore un petit à-coup. Oula! Ouais. Je vais rester là pour le moment. Allez, je suis vraiment très proche là. 3-7, 3-6, ouais, donc ils sont plus rapides que... Ah, parfait! Alors maintenant, là, faut que je gagne cette guerre aussi, enfin cette bataille. Oula, on en est où? Ok, donc on va déjà voir s'ils vont bouger ou pas. Alors déjà, bouger là, les archers là, la cavalerie là-bas pour le moment. Ah, ça va, ils sont quand même assez loin. Ici, ça peut être pas mal. Pour le moment, ils ont l'air s'approcher. Ah, je sais. Non, je pense pas qu'ils vont venir. Pas certain en tout cas. Ils prennent de la hauteur. Ils vont se cacher là-bas. 48 archers quand même. Allez vous planquer là-bas. On va les faire bouger un peu. Deuxième mauvais coup, barre-toi de là. J'en ai perdu un. Un soldat, ça va. Ils arrivent ou pas? Pas trop l'air. Il fuit quoi. Là par contre... Et merde. Non c'est vraiment pas bon. Mais casse-toi de là. Bon là va falloir passer à distance. Je vais éviter de tomber. Bien joué. En plus ils ont pas mal d'arbalétriers et ça fait plus de dégâts quand même. Et ben voilà, je suis tombé. Me faites pas perdre s'il vous plaît. 38 morts quand même. Ça va pas du tout ça. Enfin bon. Allez, vas-y, je prends tout le monde. C'est ça, le truc, c'est qu'il faut que j'y monte. Hein. On va y monter quand même. Hein. Parce que là, ça va pas. Ils vont être plus résistants et plus efficaces. Vas-y toi, hop. On va quand même les reclasser un petit peu. Ça va là. Ceux-là, là-haut.
Ok. C'est dans l'ordre, tout est bon. Alors, je pense qu'il y a mieux. Non, même pas. Même pas. Aïe. J'ai trop de poids. J'ai trop de poids. On va retourner là-bas. J'espère que je vais pas me faire attaquer. Non. Je peux pas faire par plus lourd des fois. On va vendre tout ça. Ah ouais. Comment ça, je vais obtenir 4? Ah oui, d'accord, ok. Ah mais attends, est-ce qu'ils ont des chevaux? Ils n'ont pas de chevaux. Alors, pas trop le choix, je me dirige là-bas, c'est le plus proche. Je ne sais plus si je perds du matériel en route. Non, on va directement aller en ville. Alors, cette fois-ci, c'est bon. D'accord, la mule, hop. C'est quoi? C'est les bêtes de somme. Tiens d'ailleurs, toi, qu'est-ce que t'as d'intéressant? Chevalier. Cheval Azeret, pas chevalier. Je pensais pas que j'avais déjà, mais tant mieux. Ok, il y aurait ça qui réussirait. Quand même assez intéressant. J'ai déjà 76 en poids, 70. 40. Non, ouais, bon, en 2 de plus, c'est pas vraiment. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Je peux revendre la fourrure, les bijoux, le cuir, l'huile. C'est pas de la nourriture, on peut revendre. Un peu tri. Tout ça. Le mouton, ça on va garder. Les outils, on peut revendre. Le vin, on peut revendre. Ouais. Le sel, le bois. Peau, bah dis donc, là, on a pas mal de choses. Et du. Ouais, c'est tout bon. Le reste, c'est de la nourriture. Céréales, là, poisson. Ok. 17 000. Là, je suis tranquille. Enfin, je peux respirer. Ok. Maintenant, il me faut des troupes. J'aurais peut-être dû me reposer un petit peu. Mais il me faut quand même des troupes. Il faut que juste que je voie exactement où est-ce que j'en suis à peu près. En archer, là, j'en ai 30, 41, 43, 50. Ok. Ouais, d'accord, donc en fait il me faut même plus que 50. Ah, je sais plus, bon. Mais c'est celui-là qu'il me faut, d'accord. Là, j'avais plus rien. Ah, bah ben non, mais je peux voir depuis là, je crois. Distance infanterie, ouais, c'est clair que là j'en ai que 26. C'est pas suffisant du tout. Faya, est-ce qu'elle était intéressante, la Faya, déjà? Vas-y, on va prendre. Elle est rapide. Meru, quel plaisir de vous voir. Est-ce que c'était elle en fait? Ah, je sais plus. Oui, voilà, c'était elle. Laisse tomber. Elle était trop chiante. Et je voulais faire ça en off, si je voulais retenter le coup. Le problème, c'est qu'il me faut des troupes. Mais là, il n'y avait pas. Ici, j'ai pas regardé. Si, j'avais vu avant. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On va tenter en bas, là. Je suis pas passé encore à la ville du sud. Il
Et sinon, on pourrait partir au nord pour faire la guerre aussi. Bon, là je pense que je suis assez servi cette fois-ci. Voilà. Puis on va prendre cela aussi. Voilà, comme ça on est bon, on est à 120. Ça me coûte un peu cher, mais voilà. Des chevaux, j'aurais peut-être quelque chose d'intéressant ici à récupérer. Allez, soyons fous, de toute façon on va en perdre, hein, des hommes. Ok, c'est parti. 128, ça on est bon, on est chaud, on y va. On a de la thune, on a tout ce qu'il faut. Ah, il veut négocier la liberté de qui là? Ah oui! Ah oui, ah bah oui, tiens, j'accepte. Tu peux partir. Là, il n'y a pas de souci. Quarante-deux, 46, 80, ça c'est bon. Et vous retournez en ville de toute façon. Là, on va en trouver des ennemis. Et pour y échapper, ça va être plus compliqué. Pff, ah non, ça c'est pénible, hein. Va falloir les récupérer, va falloir les choper directement dans l'autre zone, je dirais. Alors lui, il est intéressant. Ils sont combien? Ils sont 129, ça aurait pu le faire. Est-ce que je tente le coup ou pas? Ah ouais, c'est bon, je prends. Ça va être un peu... Voilà, mais non, ça va. 89. Ils ont, je pense, quand même des bonnes troupes pour oser m'attaquer. On va rester là, je pense qu'ils vont attaquer quand même. Pour quelle raison? Oui, voilà, alors. Ah, mais non, mais j'ai mal vu, c'est quoi cette histoire? C'est quoi qui me manque? Formation manquante. Ah, parce que j'ai des. Ah bah d'accord, ok, pas de problème. Ça me va aussi, ok, alors. Ça c'est qui? Moi je suis qui là? Non, ce serait plutôt moi. Ou quoique, équitation 138, équitation 139, mais je crois qu'il n'y en a aucun. Si là je mets aucun, et là je vais mettre moi. Ici, ils ont tous des chevaux quasiment, donc on va mettre lui. Ok. On va faire comme ça. Je vais le mettre là. Ok, c'est parti. Ils sont où là-bas? 300 mètres. Je vais déjà voir s'ils arrivent. Ils ont quand même 43 de cavalerie. Hein. Ils ont l'air de venir quand même. Ouais, je pense qu'ils viennent. Infantry, raise your mounts! Shields for riders, hear me! They're moving! Bows! Archers! En ligne. Ça c'était quoi, F8, hein? Disperse! Qui se disperse? Bows! Ils se dispersaient pas! Arrows! Line up! Arrows! Make room! Oui.
Bowman. C'est quoi cette histoire? Arms like the bar. Ouais, voilà, plutôt comme ça. Allez, on les attend. Oh, shields up. Footman, move out. On va commencer à tirer là. Voilà. Bounce! Attack! Warriors! Attack! Come on, boys! Je suis toujours pas. Oulala, on va se faire défoncer. Des archers qui vont me faire chier. Je fais un peu n'importe quoi. C'est bon, il fuit. Totalement, il se déplace. J'en ai perdu quand même pas mal. Et non, si c'est comme ça que vous comptez vivre, fuir c'est bien, mais vaut mieux se rendre hein, dans ce cas-là, parce que... Là, c'est le petit gibier, hein. Le petit lapin. Qu'est-ce qu'il reste? Ah, mais il y en a encore un, là, je les oublie à chaque fois. J'en ai perdu combien? 19 quand même, hein. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que j'ai perdu? Soldats, soldats, soldats. Tout ce qui est important de recrues. Bon. Ça se rachète. Prisonnier 35. Des recrues. Voilà. Hein. Des soldats 10. Et vas-y, on y va. Du coup, je suis à 16 comme ça, c'est pas mal. Les archers, on va aussi les monter. Équite impériale. Hop. Ok. Tiens. Est-ce qu'il y a mieux? Tiens, là, ça qui est pas trop mal, c'est plus lourd, mais... Ben non, de toute façon, j'en ai pas besoin. Peut-être pour un autre. Pour celui-là, tiens. Est-ce que tu aurais quelque chose? Non. Le suivant. Non. Et le dernier. Dernier, c'est tout bon. Ok. J'ai de quoi vendre. Ouais, tu peux venir. Par contre, faut se méfier quand même de croiser je ne sais qui. Alors. Commandement, très bien. La garnison de la ville est 20% plus efficace pour la sécurité, plus 5 à la taille limite de groupe, plus 1 de loyer de la ville par jour. Les troupes dans votre formation provoquent une pénalité supplémentaire au moral 10 de 10 lorsqu'elles tuent des ennemis. Ça, c'est pas mal. Je vais plutôt prendre ça. Ok. Et puis là, on va retourner en ville à la guetta.
mais il me semble que c'est quand même bizarre parce qu'on récupère quand même beaucoup de villes. Beaucoup de choses quand même. Hein. Trop facilement. Alors, il te reste 50 000, c'est largement assez. Voilà, là je me fais de l'argent, je suis content. 142 céréales, qu'est-ce que tu aurais d'intéressant? Ouais, trop cher. En armure, qu'est-ce que tu as à toi? 31, mais 15 000. 10 000 pour le haut, non. 33 à 7500. 15 kg, 4,5. Ça, ça peut être sympa. C'est pas trop lourd. C'est meilleur que ce que j'ai. On va faire ça. Ça me fait un peu grossir. Hein. Ça me fait du bidoche un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Comme ça, on va un peu équiper tout le monde. Voilà, ils ont mieux. Comme ça, j'augmente juste de 3005. Ça me suffit pour le moment. Ensuite, qu'est-ce qu'il me faut? Ça, c'est bon. Il n'y a pas d'arène. Est-ce qu'il me faut du repos? Ça a l'air d'aller. Donc, on continue. On va voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut avoir. On va falloir recruter. J'ai pas regardé ici le recrutement. Non, chaque fois, je me plante. Non, c'était pas des archers. Des archers, j'en ai suffisamment. On va retourner quand même vite fait à la Geta. Ou la Jetta. Est-ce qu'on a de bon? On n'en a qu'un. On en a deux. Juste pour voir quand même. Il ne faut pas que je me plante. Ça fait... Ouais, ça fait 10, ça fait 26, ça fait 38... 39. Ah, en fait, je suis bête à chaque fois. Faut que je regarde ici directement. 42 infanterie. 16 cavalerie, 52 à distance. Bon, c'est pas mal, mais il me faut beaucoup plus d'infanterie. Plus d'infanterie que de... d'archers, parce que... Ça me paraît quand même assez limite. Il faut pouvoir résister... Bon, ça, je prends. Allez, on va voir chez les autres, là. Bon, le problème, c'est qu'ici, je crois qu'ils sont très archers. Hein. Ouais, vas-y, on va prendre un viking, là. Enfin, c'est pas un viking, mais... Plutôt ceux du nord, les vikings. Est-ce que je suis passé là? Non, je crois pas. T'as 42 pillards. Oh. Bon allez, chopez-moi ces 42 pillards et puis me faites pas un mauvais coup, s'il vous plaît. Je vais pas me l'occuper moi-même. Envoyez les troupes. Un mort. Arbalète, ok. Pas grave. Voilà, on monte de niveau, c'est très bien. Chevaux, ok, je prends et je revends. On va revendre ici. Mais j'ai comme l'impression que je vais devoir me recommencer une partie. Non, ils ont toujours que 4, dis donc, et si ils se font pas vraiment des sous dans le coin. Est-ce qu'il y a une guerre quelque part par là, non? Ils vont dans quelle direction ils partent? Bon, je vais redescendre un petit peu au sud, je vais voir comment ça se passe. Après, ouais, je vais perdre pas mal d'argent. Enfin, pas mal de pièces d'or plutôt. Ici, on n'a rien. Ils vont où?
Oh mon dieu, un seul. Ah mais c'est vrai que chez les ennemis je peux les prendre. Le girafe et tout. Bon, on a des ennemis ici, c'est bien. On va retourner au château. Il y en a combien ici? Ah 86, bah oui. Je ne serais pas spécialement contre attaquer avec eux, mais c'est vrai que je vais perdre beaucoup d'hommes pour pas grand chose en fait. Ouh, 70, tiens. Et si on allait les aider? Ça, c'est pas mal. On va aider ceux-là. Normalement, on est quoi? On est en ville, non? Même pas. Qui c'est qui prend le contrôle? Ok, chacun prend le contrôle de... Alors, tu sais d'avance qu'il va falloir avancer, parce que les autres... Ils y vont comme des couillons. Donc, il va falloir suivre. On va les attendre. Ouais, j'adore les voir avancer quand même. C'est assez plaisant. S'ils peuvent avancer jusque là, ça serait pas mal. Et les archers ici. Ça laissera les archers en hauteur. Les autres, je sais pas ce qu'ils foutent, mais bon, on va y aller tout seul, hein, de toute façon. Tant mieux pour moi. Ça va, ils ont que 3 archers. C'est déjà 2 morts. Les archers, on va les laisser là où ils sont pour le moment, quoique on va les faire déplacer. Ah mais oui, mais à chaque fois j'oublie cela. Les archers montés. Et s'ils sont pas 50, je trouve pas très utile, pour être honnête. Les autres ils fuient, hein, je pense. J'en ai perdu 13, mais à chaque fois j'en perds trop là, hein, des soldats particulièrement. Particulièrement des soldats que je perds. Ouh! Alors je prends ça. Je prends les 8, ça. Attends, on va faire comme ça plutôt. Et qu'est-ce que t'as? Légionnaire, j'en ai besoin. Je vais prendre celui-là, je vais pas m'en priver. Il va me coûter cher en paye, mais c'est pas grave. Je prends quand même. Et je te prends tous les prisonniers. Ça c'est très bien. Celui-là, je te le monte là-haut. Et le légionnaire ici. Ça je monte pas, je devrais peut-être, mais ça me coûte cher. Ça me coûte 100, ça me fait 1200. Allez, vas-y. Vas-y. On va le faire quand même. Ça me coûte cher, mais c'est pas grave. Puis tu sais quoi? Allez, on prend tout le monde. On est fou. Ouh! 130 hein, quand même en poids. C'est vraiment très lourd. Mais alors, par contre, il sera beaucoup plus résistant. On récupère pas mal de choses assez intéressantes là. C'est ce que j'aime. Ok. Non, c'est bon, là, je suis à 128. Faut que je fasse gaffe, ouais, ça va, nourriture, j'en ai assez.
Voilà, il n'y a plus de troupes. Hein. Qui est là? Ouais, il y a du monde. Commerce. Ils ont ce qu'il faut, c'est parfait. Je revends tout. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Par contre, ça non. Ça on garde, faut quand même équiper les autres. Allez, il a pas de cheval, ok. Ça on peut revendre, ça me fait quand même 7200, c'est pas mal du tout. Ok, pas besoin de se reposer. Est-ce que... Alors oui, il y en a un qui a besoin de se reposer quand même. C'est moi ou est-ce que... Ah, qu'est-ce que j'ai gagné? C'est pas moi alors du coup. C'est lui. Zone de protection du bouclier plus large. Est-ce que c'est celui qui est à pied, je crois. Hein. Vas-y, on va prendre lui. Ok, je vais m'arrêter là en tout cas pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine pour la suite de la guerre contre la Vlandie. Et peut-être qu'on ira un petit peu au nord aussi. On verra bien comment ça va se passer. En tout cas, pour le moment, ça se passe pas trop mal. Mais on verra bien. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. À bientôt. Ciao.